y a des machines au plafond, j'en sais rien, je veux changer de niveau. Niveau 3. Oh, je peux parler. Ok, ok, c'est un peu stressant. Je bois un coup. Ok. Non, ça va, c'était plutôt bien fait parce que il nous entendait, mais c'était pas abusé non plus. T'avais juste évité de courir et de parler trop près de lui. Il y avait des trucs pour faire diversion. The bathroom! Effectivement, il y a de la flotte partout, il y a des chiottes partout. Est-ce que je peux plush? Oh oui. Mon nouveau monstre aussi, je suppose. Fouiller un peu. Du coup, il y a un mot très bizarre. Du coup, le truc des chaises là et des bureaux, on n'a pas su ce que c'était. Bon, en tout cas, là, il y a une valve à tourner quelque part. Get me out of here. Laisse-moi sortir d'ici. Est-ce un indice sûrement? Encore une valve. C'est quoi ce bruit? C'est pas cool. Mais j'ouvre tous les chiottes, on sait jamais. Faut qu'il y ait une petite pièce. Oh non, je vais aller là-bas. Plus éclairé. Oh oui. Discrétion. Je lave l'eau. Y'a rien. Rassurez-moi, c'est le bruit de la souffleuse, ce bruit-là. C'est le 011. Mais du coup, j'ai pas compris. Genre, il faut se mettre dans des coins ou je sais pas quoi. Merde, je suis dans un cul-de-sac. Alors je pense qu'il ne faut pas flush. Dans un cul-de-sac. Donc il me voit.
aucune idée d'où il faut aller. Je crois qu'il faut se mettre dans les coins et tout. Je sais pas quoi faire à part allumer les lumières. Du coup, j'allume. Merde. Putain, il est derrière moi. Ouais, je comprends rien à ce niveau, putain. Allez, je crois qu'il faut allumer parce que la note disait qu'il voyait mieux dans l'obscurité. Tout qui est tombé, non ? J'ai niqué toutes mes piles. Oh, il y a la valve. Ouais. Je sais pas où je vais. Putain, s'il se retourne. Putain. Oup. Non. Oh non, je voyais rien du tout. Ah mais attends, mais il faut aller où après? C'est chaud ce niveau. Active la valve, mais après tu vas où? Ils sont drôles, eux. Ah, c'est marqué exit là. Et tous les coups, c'est là. Genre là. Mais non, c'est là où j'étais. Genre, j'ai trouvé la valve direct, c'est bizarre. Ah, ça me permet de monter là. Ah. Oh.
Quel échec. Ok, je peux sauter. Mais du coup, il y avait plus le monstre? Ou j'ai juste eu du pot? Écoutez, on va pas attendre pour en être sûr, mais c'est bizarre. Bon, bah, GG. Je ne sais pas. J'ai pas bien compris. Ok, on voit rien. Nickel. J'aime les débuts de niveau comme ça. The Dark Room. Ah bah effectivement, on va pas voir grand chose dans ce niveau. Ah, on est de retour dans les salles de classe à peu près normales. Ah, j'ai enfin le tournevis. Ah, ça me rappelle les backrooms, ça, du coup, le sourire. Ça me voit, il y a une sorte de son. Et j'ai été assez stupide pour aller dans un couloir sombre. À quoi je pensais? Ça me suit depuis une journée maintenant. Et je ne sais pas. I keep turning off the light near me. Je ne sais pas comment, mais j'ai gardé les lumières éteintes près de moi. Ah, et du coup, il passe à travers les vents, ok. Ok. Du coup. Du coup, faut que j'allume ou pas que j'ai pas compris. J'ai un truc que j'oublie 2 secondes après. Ça va, le jeu est plutôt sympa aussi. Ouais. C'est vraiment. Je sais pas si c'est par le même dev que. Peut-être. Hein. Que celui qui a fait le jeu sur les backrooms en fine footage, justement. Fuck. Ah ouais, je vois rien. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Oh, je l'ai pas écouté ce qu'il a dit! Il a dit holy shit, il faut pas que j'aille m'électrocuter dans l'eau! Moi j'ai fait quoi? J'ai sauté dedans! Voilà! C'est sympa en tout cas! Ouais, il a dit de pas aller dans un couloir sombre, mais je suis obligé. Il apparaît pas cette fois. Ça fait une Claude François. Ah bah là, je retourne vers le point d'eau. Ah, il y a une feuille là. J'ai complètement perdu le sens du temps. Enfin, le temps du temps. Enfin, le cours du temps. Oh, vous avez compris. Ah, ça pourrait faire un mois. Peut-être que ça fait une année entière. Peu importe. Ah, il a trouvé l'item 608. Je sais pas ce que c'est. Ils ont dit que tous ces documents étaient classifiés off-limit. Ah, l'item 608, c'est la raison pour laquelle je vois clair dans ces ténèbres. Cette chose rampe à travers les vents, et si la lumière est éteinte, il t'attrape. Ah, du coup, faut allumer les lumières, ok. Mais la lumière va s'éteindre d'un coup. Les documents sont vagues et cryptiques. Ok, elle dit quoi ma boule? Tu dis quoi ma boule? Danger level 5. Ça va. Je suis en danger mais de manière raisonnable. Donc du coup il disait quoi tout à l'heure? Voilà.
Donc il faut que je coupe le courant. Fort bien, oui, ça m'a l'air logique. Mais du coup, ça a jamais servi à quelque chose. Bizarre. Je pensais que c'était pour sauvegarder. On va essayer d'allumer alors. Merde, mais il est là? Putain, il y a des post-it. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je crois qu'il est pas loin, mais. Quoi ce bruit? Ah, c'est quoi ce bruit? C'est Patoun! Qu'est-ce qui se passe? Merde. Je sais pas quoi faire, rien de KFC. This'll cut the power. That means all the lights are gonna be off. Faut que je coupe le power. Voilà. Fuck. Ce bruit qui me suivait là. Ah mais là je suis coincé hein. Ah mais c'est toi, saloperie. Non mais genre j'ai que ça à faire de partir en moonwalk. Mais il y a le sourire derrière moi, il y a un truc qui me bloque. Je suis morte. Super, je me suis fait avoir par les deux trucs en même temps. Mais attendez, il y a deux monstres. Déjà, il y en a un, j'ai pas compris. Fail to generate map. Oui, retry, oui, essaye, oui. Ok. Je suppose qu'il faut que je retourne vers le courant. Hein. Mais oui, les niveaux sont aléatoires. Putain, c'est des saloperies, n'empêche. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai trouvé le truc super vite et que sans croiser le monstre. Parce qu'en fait, tu peux avoir du pot et trouver direct, tomber direct sur le bon truc. Enfin, je crois, hein. Putain, les portes elles sont trop galères à ouvrir quoi. Pas compris ce qu'il fallait faire quand il y avait ce monstre. Ah c'est là. Putain. Ouais les portes sont galères. This will cut the power. But that means all the lights are gonna be off. Je sais pas. Censé pouvoir passer dans les vents. Non, je galère pas, c'est faux. Oh bordel, ça y est, je suis perdu. Attends. Allume! C'est lui. Oh, c'est beau. Oh, je sais tellement pas où je suis. Oh non. Oh non. Mais non, mais. Mais non, mais c'est relou. Y'a le monstre. Non mais je vais mourir. Comment je fais? Allume. Non.
Oh! Oh, c'était chaud! Merci d'avoir joué! Non, c'est fini! C'est fini! Bien sûr, to try custom mode pour un plus gros challenge, des nouveaux levels et des nouvelles entités. Mais! Oh non, ça se termine comme ça, je suis un peu triste. Mais du coup. Après, c'est un early access, donc à tous les coups, le mec il a pris d'autres niveaux. Parce que là, au niveau de l'histoire, du coup, bah, il manque des trucs un peu. Il manque un peu des trucs. Pour la prédit, bien nul, middle. Non, en vrai, bien. En vrai, bien. En vrai, c'est sympa. C'est bon, c'est très The Backroom, hein. C'est pas très original, on va pas se mentir. C'est pas du tout original. Mais malgré tout, l'ambiance est cool. Ça marche quand même, quoi. Ça marche bien. C'est quoi les custom modes? Oula! Oula, mais attendez, 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 il y en a plein que j'ai pas vu là. Attendez, il y a Curse Doll. Cloquet de figure. Ah, je sais plus lequel c'est. Shriko le clown. Ah, bah c'est celui-là là qui était tout rouge là. Ouais. Gangler. Ah, c'est le 011. Ok. Smiley, bah, c'est celui qu'on a vu à la fin. Oh, tu peux avoir une armée de dolls. La poupée de l'enfer. Ah ouais, c'est juste des variantes. Donc si, tout cela, on les a vus normalement. Ça, c'était... C'était lequel, celui-là? Le smiley, celui de la fin. Ça, je sais pas quel c'était. Mangler, je sais pas ce que c'est. Vas-y, on va essayer les nouveaux trucs là. Pour voir ce que ça fait. Custom mode. Et du coup? Custom mode on. Pick tape. Ah, mais attendez! Non? Ah non. Ah non, ouais, non, j'ai cru que. Ah non, je me suis fait un espoir toute seule. Je me suis dit, mais attendez, il y a d'autres cassettes à jouer. Eh mais si, peut-être en fait, non? Je sais pas. J'ai un doute. Je sais pas si c'est plusieurs slots de sauvegarde ou si c'est plusieurs autres cassettes, donc plus de niveaux à jouer. Ah bah ça, j'ai l'air de reconnaître. Hein. Ah mais là, il y avait des monstres qu'on n'a pas eu, je crois. Hein. Ouais, parce que là, on recommence du premier niveau. Ouais, c'est ça, donc... Donc non, c'est dit. Ouais, ok. Donc il n'y a que les 4 niveaux que j'ai vus. Du coup, le coucou des bureaux, on n'aura pas compris. Hein. Et le code... Mais il manque plein de trucs, en vrai. Il y avait un code sur un papier. Je pense que le jeu est pas fini en fait. Ça ferait plutôt sens. J'aimerais juste voir l'armée de Doll. Ça peut être comique. Bon, on va rigoler 5 minutes, mais. Oh, il y a un bureau, il est puni, il est tout seul. Et en plus, j'ai même pas eu le temps d'aller dans les vents. Si, on va tester les vents. Je pense que c'est juste pour éviter les monstres, hein, mais. Putain, pas cool. Pas sympa. Blague. Salut! Ça va? J'entends un autre monstre, hein. C'est celui des chiottes que j'entends. Oh merde, toi. Ah, je pensais pouvoir ouvrir la porte. Ouais, mais les portes sont galères à ouvrir. Première fois qu'on meurt de la poupée, non? Je sais plus. Ah non, peut-être pas. Wait. Where am I? Wait. Aïe. Il y a une porte dans la gueule. Je sais plus lequel là qui fait ce bruit là. C'est celui des chiottes qui fait ce bruit là. Qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est perdu?
se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais genre, je suis pas un peu à l'abri dans les vents? On dirait qu'il y a quelqu'un qui me tape sur la tête, ça suffit. Ça me fait sursauter à chaque fois. Mais... comment on voit rien? Te suis... J'entends plus la poupée. Ah bah, évidemment. C'est celui qui me tape sur la tête qui me suit. Alors là, je sais pas si je dois sortir ou rentrer. Attends, me dis pas que la poupée elle m'a suivi dans le vent. C'est démoniaque si c'est ça. Bah y'en a une là. Ah oui, armée de doll. Vas-y, c'est trop chiant cette poupée. Dans SCP tu pouvais ouvrir les portes. Y'a une autre poupée. Coucou. J'suis coincé. J'suis foutu. Quoi que je fais, j'suis foutu là. Oh ah. Hop. On bouge plus. On bouge plus. Oh non! Bah alors là, c'est pas de peau, hein. C'est vraiment pas de peau. Bon bah alors là, je suis morte, hein. Ah, attends, je peux peut-être... Attends, vas-y, je peux pas sauter sur les bureaux, quoi. Là, il... Je sais pas où il est le morceau. Putain, mais il y a une vente, en plus. Eh, hey, mais... pas une cassette? Bougez pas, hein. J'ai trouvé une cassette. Vas-y, j'ai trop envie de la lire. J'essaie de retourner là-bas pour regarder la cassette. On regarde la cassette ensemble, les filles? Ouais! Welcome to the ARC training program. Our goal is to equip you. Attendez, j'ai loupé des cassettes, je crois qu'il y avait une télé. To safely navigate the anomalous dimension known as the Lambda superstructure. As you may know, ARC is dedicated to exploring and mapping out the Lambda superstructure. This dimension can be a challenging environment, and it's important to be aware of the signs that indicate the presence of entities. If you encounter flickering lights, be aware that this may indicate the presence of an entity. In these situations, it's important to remain calm and take precautions to ensure your safety. Je suis toujours calme, moi. If you find yourself in a dark environment, be aware that this may also indicate the presence of an entity. It's important to always have a source of light with you and to remain focused and alert. Ouais, il explique un petit peu chaque SCP en fait. Enfin, chaque pardon. Chaque ARC. Pas si fou mon sang. Je crois que la cassette est finie. We wish you the best of luck in ah non. Stay safe and always be prepared. Oh, j'ai fait un petit strike. Eh, hey, maintenant qu'elles sont tombées, genre elles sont foutues. Attends, je suis bloqué avec des bureaux. C'est qu'elles se relèvent. Fuck. Fais chier. Ah mais je vais pas aller dans la vente en moonwalk. Je sais pas où il est le monstre mais...
Normalement, la porte, elles peuvent pas l'ouvrir. Hein. Putain, il était pas loin, lui. Non. Il a enlevé la porte. Bon. Effectivement, plusieurs poupées, c'est un peu relou. Bon, c'était juste pour testouiller. Hein. On a effectivement fini le jeu, apparemment. Non, en vrai, c'est rigolo, c'est rigolo. Écoutez, j'étais complètement passé à côté de ce jeu, The Classroom, qui est en Early Access. Du coup, il y a moyen, enfin, je pense, hein, c'est ce qui a l'air. Hein. Le jeu a l'air de quand même pas être terminé, donc peut-être qu'on aura plus de niveaux et une suite plus tard, on l'espère. En vrai, bon, bah voilà, comme je disais, c'est très similaire au Backroom en fan footage, mais malgré tout, c'est pas mal quand même.